Et voilà, Cross Harbour qui entre sur le ring du Lion d'Angers, du Salon 2017, du Lion d'Angers, le grand Cross Harbour, 1m68 haut, au garrot pour ce fils de Zamindar. Zamindar est retraité déjà depuis plusieurs années. Zamindar, c'est le père de Zarkava, d'Argina, entre autres. Cross Harbour, lui, est un vainqueur de groupe. Il était entraîné par André Fab. Il a été élevé et il portait la casaque de Jutland Farms, le prince Rally d'Abdullah. Et désormais étalon et disponible au Rade de la Courlay en 2017 à 1 600 € la CI, poulain vivant. À Saint-Clément de la Place, tout près d'ici, tout près du Lion d'Angers, tout à l'heure, pendant la course référence, on a vu sa fille, une chanson douce, gagner le prix Pierre Cypré à Auteuil en septembre dernier. Il est également le père de Bandit Déné, qui lui aussi a gagné à Auteuil, une très bonne course à condition, le prix de Fézanzac en 2017, donc disponible au Rat de la Courlay. Chez Jérôme Delaunay en 2017, ce Cross Harbour. Côté pédigré, c'est donc un fils du retraité Zamindar, donc un petit-fils de Gone West. La mère est par théâtricole, une certaine Docklands, pardon, qui est née en 1989 plutôt. Et je ne sais plus si elle est encore de ce monde ou pas d'ailleurs, mais quoi qu'il en soit, c'est la mère d'un certain Railink qui avait gagné en 2006 le prix de l'Arc de Triomphe, qui est aujourd'hui étalon, ce Railink au Rat de Cercy. D'ailleurs, qui est un étalon confirmé. Railink, il est père de lauréats de groupe, de plusieurs lauréats de groupe, et notamment de lauréats de groupe 1. Cross Harbour est donc un frère de Railink. Cross Harbour est également le frère de Chelsea Mallor, un autre vainqueur de groupe, et il est disponible au Haras de la Courlay en 2017 au prix de 1 600 € poulain vivant.